faut pas non plus nier le fait que, heureusement aussi, qu'il peut rester quelques personnes dans l'intérieur d'un parti grenelle, c'est fini. On laisse croire en disant ce genre de choses que si les chômeurs chôment, c'est parce que c'est des feignants qui ne cherchent pas de boulot. En plus, on divise encore un peu plus la société, puisque quand on dit ça des chômeurs, on a l'air de dire aux salariés, vous voyez, le chômeur qui est votre voisin, bah, en fait, c'est bien un feignant qui ne cherche pas de boulot et non pas quelqu'un qui est victime du fait qu'il n'y a pas d'emploi. On pourrait évidemment gloser sur 350 000 offres alors qu'il y a plus de 5 600 000 chômeurs inscrits, catégorie ABC, qu'on pourrait discuter de ces offres. Je dis toujours qu'une petite grand-mère qui propose 2 heures de ménage par mois, c'est une offre d'emploi, ça n'a jamais fait vivre personne. Donc voilà, en gros, on n'est pas au niveau du sujet du chômage, on n'est pas au niveau de l'enjeu et on n'est pas à l'échelle. Et c'est très, effectivement très décevant de toute façon de la part d'un ministre du Travail, quel qu'il soit. Il faut remettre Pôle emploi en situation d'être un lieu où on accueille, on écoute, on accompagne, on aide et on suit les chômeurs et un lieu où les chômeurs rentrent, si ce n'est en confiance, du moins sereinement. Aujourd'hui, ce n'est malheureusement plus le cas pour l'immense majorité des demandeurs d'emploi.